Yo les gars, c'est Nsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pandamonium, un nouveau jeu d'horreur encore. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, et c'est un jeu d'horreur avec des pandas dans les backrooms, je crois. Donc on va tester ça tout de suite. Bon, apparemment il y a trois niveaux. On va faire d'abord le niveau 1. Wow, ça a l'air de laguer un peu. On peut pas changer des trucs. Attends, les graphismes, peut-être que si je les baisse, ça sera mieux. Et les FPS, je vais peut-être les mettre. Non, ils sont bien, on est limité. Fais voir si ça lag moins. Wow, ça lag encore un peu. Je vais mettre les graphismes vraiment en low. Je vais mettre 60 FPS. Et je vais mettre pas de lumière bizarre. Bon, ça lag un peu moins. Alors, il faut que. Bah, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire en fait. C'est un jeu que j'ai découvert comme ça. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je peux courir apparemment. Bon, je pense qu'il va y avoir des pandas. Ah! Wesh, y a déjà un panda qui me court après. Wesh, mais dinguerie! C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Mais c'est quoi cette merde? Ah, c'est quoi ça? Wesh, mais c'est le pire jeu de tous les temps, la tête de Wham. Wesh, c'est le pire jeu. Comment ça, il y a des pandas qui font peur? C'est gentil, les pas. Ah, je rigolais. Laisse-moi tranquille, ma gueule. Wesh, cours. Oh putain. Oh, je suis les mauvais côtés. Non, c'est bon, je sais pas. Oh putain, cours. Non, je suis bloqué. Ok, c'est bon, il est plus là. Wesh, c'est le pire jeu, c'est quoi ça? Oh, ok, j'ai trouvé un truc. Oh putain, il y a un mec là-bas. Faut pas que je me fasse niquer. Panda scan. Oh, ça me permet de voir les pandas. Ok. Ça, c'est pratique. Ok, je sais qu'il y en a un là-bas. Mais il est loin encore. Ok, il va venir par là, donc je vais aller par là. Je sais pas du tout c'est quoi le jeu, les gars. Je sais même pas c'est quoi le but. Genre vraiment juste, je... Wow. Ça fait peur, ça. Pourquoi il y a des pandas qui veulent me tuer? Wesh. Non, il y en a un autre là-bas. Oh putain. Oh là-bas, là. Ah! Ça fait trop peur. En plus j'entends leurs gros pas là. Oh ok, y a un truc. Non, ok, on était là tout à l'heure. Wesh, y en a un autre. Oh putain. Wesh, mes frères, y en a beaucoup. À la limite, vous m'auriez mis un panda. Ok, pourquoi pas. Mais là, frère, y a 10 pandas qui courent partout. Avec leurs grosses têtes là. Oh merde, il m'a pas vu. Oh là-bas. Ok. Y a quoi ici? Ok, y a un pouvoir. Intimidation. Ok, je pense que c'est pour intimider. Eh ouais, je suis trop intelligent. Oula, c'est quoi cette merde? Je peux pas interagir avec. J'avais déjà vu un tac comme ça tout à l'heure. Je l'ai intimidé, donc il peut plus courir. Ok, attendez, je vais le bait, regardez. Hop, bait. Ok, je suis chaud. Bon, heureusement que c'est pas comme dans les jeux d'horreur, il a pas une grosse hitbox. Moi, je suis mort. Oh, je suis trop chaud. Bon, ils ont pas des... Wesh, c'est quoi cette merde? Oh putain, j'allais dire ils ont des petites hitbox et tout, mais en fait bon. Non, en vrai ça va, ils ont des petites hitbox. Tu peux les dodge assez facilement. Mais du coup, je sais toujours pas c'est quoi le but du jeu. Attends, là-bas la lumière elle est un peu buggée, je vois un trait. En plus, je déverrouille des succès pour aucune raison. Non, putain, j'entends un mec derrière moi. Frérot, laisse-moi tranquille, sale merde. Wesh, il court de fou, vous l'entendez? Je suis peut-être allé du mauvais côté. Ok, il y a quoi par là-bas? Ok. Bon, pour l'instant... Waouh. Oh, lui, il fait peur. Ok, il y a des lumières roses là-bas. Ah non, c'est... Il y a rien. C'est peut-être le mur de derrière. Il me reste deux vies en tout cas. Ah! Faut que je fasse gaffe. Oh putain, je vais mourir. Cours.
Il y avait des lampes roses là-bas. Oh, j'ai bien fait. Ok. Vite, un pouvoir, un pouvoir. Ok, y a pas de pouvoir. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas rentrer ici. Je sais pas si je dis de la merde. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent pas rentrer dans les salles. Ok, on continue, on continue. J'entends plein de pas à gauche, je vais aller à droite. Oh, il y a un truc là-bas, vite, vite, vite. Oh, la tête de homme, vert. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Oh, let's go! Let's go! Oh, purée! Oh, c'était chaud, c'était chaud. You have escape. Ok, donc le temps total, j'ai mis 4 minutes 42. Total step, ça je pense c'est le nombre de pas, donc j'ai fait 819 pas. Distance parcourue, 1400 mètres. Ok. Distance chased, c'est-à-dire le nombre de fois où je me suis fait courser, 450 mètres. C'est-à-dire un tiers du temps, je me fais courser en fait. Seconde chased, je me suis fait courser 1 minute 20. Second spent in safe room. Ah, les safe room, ok, c'est les pièces allumées. Je suis resté 1 minute. J'ai utilisé 3 power-up et total time. Et je me suis fait capturer 3 fois. Donc il me restait 2 vies parce qu'on a 5 vies. Ok, et ben, je vais faire une dernière game. Hop. Wesh, il est malade ce. Oh, tranquille mec. Ok. Bon, j'imagine que c'est aléatoire les pièces parce que c'est pas toujours au même endroit. À moins que le développeur ait mis toujours la pièce de fin au même endroit, mais ce serait dommage. Du coup, on va tester une deuxième fois. Et puis, si jamais vous avez bien aimé et que vous avez trouvé ce jeu rigolo, n'hésitez pas à me le dire. Oula, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on fera le niveau 2 et le niveau 3 dans une autre vidéo. Donc, pourquoi pas. Et moi, franchement, je suis chaud, j'ai bien aimé. En plus, il fait un peu peur. Bon, après, à part les pandas, en réalité, il fait pas non plus super peur, mais ça va, ça va. Y a pire, y a pire. En fait, c'est juste. Ah! Juste le début, il m'a fait flipper. Attends, je crois que je suis déjà venu là. Attends, me dites pas que si je retourne au même endroit, je vais retrouver la même sortie parce que sinon, ça sera un glitch code. Attends, là-bas, je me rappelle. En plus, je gagne plein de succès pour aucune raison. J'imagine que ça doit être des succès genre. Parcours des pas! Wesh, 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 ma gueule! Cours, 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 cours! Oh putain de pomme de terre. Oh j'ai cru que j'allais prendre un cul-de-sac. Ouais chien putain. Oh putain. Il y en a trois qui me coursent. Hop là, safe room. Voilà, vous avez le seum. Bah alors mon ref. Ouais, bah ouais. Eh ouais mec. Ok, cours, 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 cours. J'ai eu un pouvoir d'électricité, je sais pas à quoi ça sert. Je suis déjà venu là, je crois. Ah non, c'était tout à l'heure que j'étais venu là. C'est pas la même. En tout cas, je sais que vous aimez bien les backrooms, donc moi ça me fait plaisir de faire des petits jeux de backroom. Par contre, j'ai l'impression que je trouverai jamais la sortie. Mais vous savez ce qu'on va faire, c'est que si jamais je meurs, on arrête. Il n'y a pas 5 vies, là c'est une partie à une seule vie. C'est la finale directe. Je mise tout sur cette dernière game. Ouh, j'ai failli me faire choper. J'ai fait une belle esquive là. Ok, on va aller par là. Quand ils courent vite les petits pandas. Oh, il y en a un autre! J'ai vu, il y en avait un autre. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. Je vais toujours à droite, je vais jamais trouver la sortie. Allez, on va à gauche pour une fois. Ok, je pense qu'ils m'ont abandonné. Là-bas, il y a une pièce. Mais je pense qu'on s'en fout un peu. J'y suis déjà allé en plus. Non, pas par là. Allez, 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 allez. La sortie, la sortie, la sortie. Wesh, c'est impossible. Je sais pas comment j'ai fait la première fois. Mais s'il faut juste courir partout, tu risques pas de la trouver ta sortie. Je crois qu'on va s'arrêter là, les gars. Si je trouve pas la sortie, je sais pas comment on va faire. Imagine, t'es dans les backrooms, t'es perdu à jamais. Trop chiant, trop chiant. On va continuer d'aller. Oh! Let's go! Ok, bah j'ai battu mon record. 3 minutes. Ok, et puis le score, on s'en fout. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si jamais vous voulez le niveau 2. Le niveau 4, il y a 4 safe rooms. Niveau 2, il n'y en a que 2. Et niveau 3, il y en a 0. Ça veut dire que si t'es dans la merde, t'es dans la merde. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une nouvelle vidéo sur ce jeu. Allez, ciao! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, évidemment.